procéder à la lecture de mon texte. En prenant Hébreux chapitre 3. Aussi, au Canada, à Hébreux, à chapitre 3. Nous lisons le verset 7. Le docteur André va nous aider avec la lecture. On lit à partir du verset 7. On lit à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Et puis nous allons lire les chapitres 4, le premier jusqu'au troisième verset, et du sixième jusqu'au onzième. Nous allons lire petit à petit, et après nous allons chanter le cantique de victoire, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 5. C'est pourquoi, selon ce qui est dit, le Saint-Esprit, Yangoana, Kolandisa, Oelobi, Molimo, Santo, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Lelo, Soki, Boyoki, Mongongo, Naye, n'amixissez pas vos cœurs, Bokomisa, Mite, Manabino, Makasite, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Mokolo yakome kangai na masekinya na lisobe. Où vos pères me tentèrent. Wapi batata na bino ba mekangai na masekinya. Pour m'éprouver. Pona ko tala ete sokingai na kosale loko yo bazali kosenga ngai. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Atako bamona ki misala o na sala ki kati na bango na mibu tuku minei. Aussi je fus irrité contre cette génération. Pena ina tombo kela ki ekeke wana ya baebelo. Et je dis, Pena lobaka. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Bango bazali kaka na motemo ezali kopengwa. Ils n'ont pas connu mes voies. Batikali koyeba te banzela na ngai. Je jurai donc dans ma colère. Naïna la patina ina kando bapesa kingai. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ete bango bakokota kate na bopemi na ngai. Prenez garde, frère. Bino boe banakoke bani balinga mi. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Motote katina bino azala na motema ya mabe. Et incrédible au point de se détourner du Dieu vivant. Pe motema o ezali akokanga mana iloba nzambe kino kotika nzambe ko. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Kasi boye banakomi lendisa bamoko pe basusu mikolo nyonso. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Mikolo nyonso yo tokoki koloba ete ezali kaka lelo yo nzambe azali koyebisa bato. Enfin, aucun de vous ne s'enduxisse par la séduction du péché. Po ete moko te kati na bino azwa motema ya ekenze na lipengwi oyo lisumu etiaka bato. Verset premier. Voyons donc, chapitre 4, verset 1. Biso na ngambo na biso lelo, tobanga. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Okoki na kofanda na obisimo zali. Et la terre a kokota na bopemi ezali na ino kaka. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Moko te kati na bino abima lokola moto esima tango. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien par eux. Wete sango malamu oyo ya kokenda kokota mboka elaka epesamela bango na tango eleka lelo mpe epesameli biso. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Kasi sango malamu epesamela bango wana kuna kala esunaka bango leloko te. Parce qu'il ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Wete kutaka kondima te na mitema ya bayi oyo bayoka yango. Pour nous qui avons crié, la sipona biso tondimeli, nous entrons dans les repos. Tokoti na kati na bopé. Selon qu'il est dit, l'onegue lobami, j'ai juré dans ma colère. Alapakinda inakanda na ngai. Ils n'entreront pas dans mon repos. Bakokota kate na bopé minama. Verset 6. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, lokola elengelami na bamoko misusu bakota na bopemi lelo. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas rentrés à cause de leur désobéissance. Pe ba oyo elaka esalamaka mpo na bango kala bakota te likolo akozanga botosi.
Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué lui donnait le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Bisope, tout ça la makasi nyoso, tokota na bopemi wana. Afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Mokote katina bino akwea na kopesa ndakisa moko ya kosanga botosi lokola bato wana. Je suis Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Le verset premier. Verset premier, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. L'Isanda m'obime tombo la kimongongo presa qui n'a pas ganga ya kuale. Et le peuple priera pendant la nuit. Pelibota m'obime kota ki na kole la koutou m'obima. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Bananyo soa Israël et babane koima ima kolo baba pepli kole a mose penalona. Et toute l'assemblée leur dit. Et nous sommes morts dans le pays d'Égypte. Où que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays? Où nous tomberons par l'épée? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Mais vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils se disent l'un à l'autre. Maman et chef. Retournez en Égypte. Le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable. Ce qui Yahweh Azali Malamu Ponabiso, il nous mènera dans ce pays. Et nous les donnera. C'est un pays où coulent le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles. On nous aide avec les instruments, ça nous dérange ce son là. Kasi posa la kaka ba tombo kite liboso Yahweh. Et ne craignez point les gens de ce pays. Bobanga te ba fandi ambo kawana. Car ils nous serviront de pâture. Wete ba kosa lokola biso bilei ya mapate. Ils n'ont pris d'ombrage pour les couvrir. Basaline limingi moko te o ekosi pa bango. L'Éternel est avec nous. Yahweh azali na biso. Ne les craignons point. Bisotobanga bango te. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er, parole du Seigneur. Amen. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sauvés. Lentement. Frère. Frère. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer.
Ils ont tous été baptisés à Moïse. Dans la nuit et dans la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Et ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. Car ils vivaient à un rocher spirituel. Qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous ne soyons pas de mauvais désirs. Ne devenez point idolâtre. Selon qu'il est écrit, le peuple est assis pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Nous ne devons point à l'électricité. Comme quelqu'un dit. Le cola par misusu kati na bangokuna si livré ba mitabaki na bonduma de sorte qu'il en tomba 23 000 années sans jour. Na lolenge te nzambi abeta bato koto tuku mibale na misato. Ne tentons point le Seigneur. To metakolote na masenginya. Comme les tentèrent de l'église de lolenge bao kuna ba metaka ye po ba mona. Qui périt par les serpents. Mais ils murmuraient point. Murmuraient quelques-uns. Qui périt par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi les moyens d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ces écritures. Amen. Nous allons chanter un peu la voix du Seigneur m'appelle. Si les chants connaissent ces cantiques, ils vont nous aider. Ceux qui m'aiment, les cavéristes peuvent commencer à jouer même petit à petit en nous suivant comment nous chantons. C'est un cantique très spirituel. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et la joie du Seigneur abonde ton cœur. Et si on est encore et ton salut. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix.
les trop de dangers. Échappe à trop de dangers, Seigneur. Mais toi, tu me dis, prends ta croix, viens sur moi. Merci, Seigneur, pour cet appel. Oh Dieu, oui. Nous te demandons de nous enseigner la parole. Nous te demandons de nous être favorables ce soir. Parle à ce peuple qui est venu au devant de toi. Donne un entendement spirituel. Seigneur, délivre les chaînes des ténèbres. Les chaînes de fer délivrent les gens. Les gens qui sont retenus par la sorcellerie, délivre-les de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. J'ai lu dans ma Bible, oh Dieu, on a prêché aux gens. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ce n'est pas impossible, oh Dieu, qu'il y ait la, par la prédication de ce soir, que les gens soient délivrés, Seigneur, que les gens reçoivent le salut pour toujours. Et nous nous opposons contre tout esprit maléfique au nom de Jésus-Christ, l'esprit qui vient voler l'entendement. Je m'y oppose au nom de Jésus. L'esprit qui vient nous déranger ici, Dieu de la chair. Je m'oppose au nom de Jésus-Christ. Règne, oh Dieu. En seul souverain, Seigneur, en ce Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Demande la grâce. Avec acclamation. Acclamation Jésus-Christ. Qu'il soit béni, lui notre Dieu. Il te bénit ce soir. Il te bénit ce soir. Il a quitté ta maison pour te retrouver ici. Et le Seigneur songe à ta vie. Et le Seigneur songe à ta famille. Et le Seigneur songe à tes activités. Ce n'est pas en vain qu'il t'a mené ici. Il a pas maté à une heure où ici. Il te fait grâce. Il a prêté ça là où nous. Il te fait miséricorde. C'est pour expier tes péchés. Alors, tu as le pardon du péché, soit pardonné au nom de Jésus. Sois pardonné au nom de Jésus-Christ. La maladie t'accable, soit guérie au nom de Jésus-Christ. Alors les soucis te siègent, soient remplis de la joie de Dieu. Alors tu t'inquiètes pour tes proches, que le Seigneur songe à eux au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit favorable à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu redoutable dans la rassemblée. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse encore une fois. Il y avait deux femmes dans la Bible. Ils s'appelaient Marie et Marthe. L'une d'elles était au pied de Jésus en train d'écouter la parole. J'ai dit l'une d'elles était au pied de Jésus en train d'écouter la parole. Et l'autre s'occupait des travaux ménagers. Ils s'occupaient des travaux domestiques. Et celles qui s'occupaient des travaux domestiques est venu dire à Jésus, oh Seigneur, cela ne t'importe même pas que ma soeur vienne m'aider ici dans les tâches domestiques. Et Jésus lui dira, il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La bonne part qui ne lui
ne sera jamais ravi. Là, Jésus lui-même a expliqué une seule chose qui est nécessaire. Une seule chose. Être à ses pieds. Et écouter la parole du Seigneur. Il dit c'est la seule chose nécessaire. Et cette chose-là ne lui sera jamais ravie. Je te dis que tu as choisi la bonne part. Aller au travail, c'est bien. Aller à l'école, c'est bien. À l'université, c'est bien. S'occuper de la famille, c'est bien. Mais une seule chose est nécessaire. Être au pied du Seigneur. Écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Être au pied du Seigneur et écouter sa parole. Jésus a dit c'est une seule chose qui est nécessaire. Et cela ne te sera jamais ravi. Parce que c'est le royaume en soi. Dès que tu es là, en train d'écouter la parole, c'est le signe que Dieu t'a donné le royaume. Le Seigneur avait dit, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Que le Fils de l'homme vous donnera ces jours-là. Jésus a montré que l'homme ne doit travailler que pour une seule tâche. Une seule tâche seulement. Pour la nourriture qui ne périt pas. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas aller au travail. Il faut faire en sorte que ton travail ne puisse pas t'empêcher à travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Cela veut dire pour la nourriture qui ne périt pas. Cela veut dire même si tu es au travail, il faut travailler au travail pour la nourriture qui ne périt pas. Cela veut dire là-bas au travail, dans de la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, tu ne travailles pas pour la nourriture qui périt. Travaille à toi, c'est pour la nourriture qui ne périt pas. Même si tu es étudiant, tu es élève, tu vas travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Tu ne vas pas aller à l'école pour toujours tricher. Pour tricher, amen. Tu es en train de travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Et venir si haut. C'est aussi toujours dans le cadre du travail pour la nourriture qui ne périt pas. C'est la bonne part qui ne te sera jamais ravie. Personne ne te ravira à ce travail-là. Ce que tu peux voir dans le monde, les parcelles, les voitures, tout ce que tu peux voir, même l'argent, les gens peuvent te les ravir. On peut te les exproprier. Mais une seule chose, une seule frère, que personne ne pourra te ravir. C'est le royaume de Dieu dans la parole que tu es. Jésus a dit aux gens l'impératif. L'impératif est non que vraiment. Il dit travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Et cette nourriture-là, le Fils de l'homme vous les donnera au dernier jour. Et vous l'avez compris. C'est pourquoi vous êtes venu ici ce soir. Et le Seigneur vous récompense pour ce travail au nom de Jésus. Que le Seigneur vous récompense pour cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous dis, je vous exhorte seulement à persévérer dans la parole. Nous sommes en train de parler sur le thème.
La promesse d'entrer dans les repos de Dieu subsiste encore. Donc c'est la promesse qui est encore en vigueur. Donc Dieu appelle toujours les gens à suivre la parole, à ne pas endurcir leur cœur. C'est pourquoi on dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Exhortez-vous les uns les autres. Ne soyez pas déconcentrés là-bas. Suivez ici. On dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Exhortez-vous les uns les autres. Afin que vos cœurs ne soient pas endurcis par la séduction du péché. Parce que nous sommes dans la marche. Nous marchons comme les Hébreux ont marché là-bas aussi dans l'ombre. On avait vu. Après leur sortie du pays des Chaldéens, lorsque l'agneau fut immolé, ils sont sortis. Ils ont été conduits par la nuée. Ils ont traversé la mer rouge. Mais on a dit ceci dans les Écritures. Il y a d'autres qui n'étaient pas agréables à Dieu. Alors le Seigneur les a fait périr dans les déserts. Amen. Amen. On a pris cette histoire-là. On l'a transposé aujourd'hui. On a dit ceci. Et comme eux aussi, on avait commencé la marche, nous aussi aujourd'hui, nous avons commencé la marche. Parce que Christ, qui est l'agneau pascal, était déjà immolé. Cela veut dire ouvert le chemin pour nous. Et l'église de Dieu est en train de marcher vers les pays de la promesse. Les pays des enfants de Dieu sont en train de marcher vers les pays des délices. Mais on nous dit, faisons attention. Parce que dans l'ombre là-bas, il y a eu cela qui n'était pas agréable à Dieu. On nous a montré comment est-ce qu'ils ont marché. Quelle a été leur conduite devant le Seigneur? On est aussi dans ces temps. On est aussi à ce moment. Faisons attention. Prenez le même exemple que ces gens. Amen. Parce que la promesse d'entrer dans les repos de Dieu subsiste en nous. Depuis la fois passée, depuis là, j'avais pris l'exemple de Nombre 14. Lorsqu'ils sont arrivés dans Kadès Barnéa, dans le campement de Kadès Barnéa, qu'est-ce qui est arrivé? Là-bas dans Kadès Barnéa, c'était le temps vraiment pour eux de posséder les pays. C'était déjà leur deuxième année après la sortie du pays d'Égypte. Il leur a dit par la bouche de Moïse, le pays est là devant vous. Vous avez déjà marché pendant 2 ans. Voici le pays est là devant vous. Allez posséder le pays. Alors les anciens d'Israël, ils ont dit à Moïse, nous ne pouvons pas entrer comme ça. Choisis les expiants. Ils vont aller espionner le pays là-bas. Ils vont nous rapporter les messages en ce qui concerne les pays. Et après, nous monterons comme l'Éternel a dit.
Et Moïse a choisi des gens. Je fais ceci parce que je dois t'aider. Je remarque que tu n'as pas l'habitude de lire la Bible. Tu vas t'exercer à lire la Bible. C'est le livre qui cache tes promesses. Il n'y a pas un livre aussi délicieux que les Écritures. La vie de Dieu est cachée dans les Écritures. Le Fils de Dieu est révélé dans les Écritures. La vie éternelle est prêchée par les Écritures. Pourquoi tu dois t'exercer à lire la Bible? Alors si je fais des récapitulations comme ça, mais c'est seulement pour t'aider. Et ça pourrait t'amener en toi. Parfois, tu connais toutes les séries de novelas. Tu connais tous les matchs, les scores des matchs, tous les matchs. Il y a déjà ma programme à l'Israël de Mo. Tous les programmes des matchs, toi, tu connais. Ma programme de l'Israël de Mo. Tous les joueurs qui ont joué dans Real Madrid, Barcelone, Barcelone. Mais tu ne connais pas l'histoire de la Bible. Là, Dieu ne t'agrée pas, frère. Quand tu maîtrises tous les films, mais tu ne maîtrises pas l'histoire de la Bible. Tu connais toutes les séries, mais tu ne connais pas l'histoire d'Abraham. Il faut prendre le temps de lire la Bible. Chercher même les Bibles en audio. Et même Biblia Oyo Yamongo. Les Bibles même en Lingala. Bible oui ma commune n'a pas fait du mal. Pour connaître la parole de Dieu. Ça va pour toi et malheureux à sa mère. Dans ce livre là qu'est révélé le Fils de Dieu qui est la vie éternelle. Quand tu n'as pas pu entendre et mon Isamim moi n'a jamais pas entendu quoi c'est quoi. Amen. Amen. On a envoyé ces gens là dans Canaan. Atimi matoua l'ango papana. Ils sont allés. Batenaki. Ils sont arrivés dans les pays qu'on appelle Hébron. Baké ma commune n'a pas parlé ni Hébron. Là ils ont vu les fils d'Anak. Qui étaient de la race des géants. Quand ils regardaient les fils d'Anak. Et quand les fils d'Anak les regardaient. Et ils paraissaient comme des sauterelles. Que ce soit à leurs propres yeux. Que ce soit aux yeux des fils d'Anak. Ils paraissaient comme des sauterelles. Parce que ce jour là vraiment des géants. Mais le pays était donné aux enfants d'Israël. Mais arrivé dans le pays pour l'espionner, ils ont vu une autre réalité. Ils sont rentrés. Ils ont donné les rapports. Les 10 frères. Ils ont dit vraiment le pays est bon. Vraiment dans la vérité le pays est bon. En tout cas, il y a solo solo mot avant les amalams. Mais seulement. Là-bas il y a des géants. Là-bas il y a des fils d'Anak. Nous étions à leur yeux comme des sauterelles. Et nous-mêmes nous regardions comme des sauterelles. Nous ne saurons pas vaincre ces gens-là. Ils vont nous écraser. Directement, le peuple a commencé à mûrir. Directement, il a dit, taisez-vous. Non, le pays est bon. Si l'Éternel nous est favorable, nous serons des vainqueurs. Ces gens ont dit non. Nous ne monterons pas. On a dit ils ont parlé en mal de ces pays-là. Je te dis que c'était le pays de la promesse. C'était le pays de la grâce. Eux-mêmes n'avaient pas cherché ces pays-là. Mais Dieu avait fait la promesse à leur père qu'il va leur donner ce pays-là. Mais lorsqu'ils ont vu la réalité, ils ont reculé. Ils ont dit que nous ne serons pas. Directement, le peuple a murmuré. Dans la nuit, le peuple a pleuré pendant toute la nuit. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Nous allons lapider Moïse. Il va mourir. Josué les a calmés. Mais ils n'ont pas écouté. Et le Seigneur lui-même est à
parmi vous. Chers venus frères, ces choses-là que je viens de dire ne sont pas des simples histoires. Ne sont pas des simples histoires, frères. Mais ce sont des choses que tu dois connaître dans la réalité. Parce que c'était la deuxième année après leur sortie du pays d'Égypte. L'année où on les a présentés les pays. Mais eux, ils ont rejeté le pays de la promesse. Vous voyez ce pays-là? C'est Jésus-Christ. Vous parlez du temps de la venue de Jésus-Christ. Lui qui est le pays de la promesse. Parce que le temps est venu pour être d'entrer dans le pays. Parce que quand Jésus est venu, il devait entrer dans les pays. C'est-à-dire qu'il devait croire en Jésus-Christ. Et ils ont refusé. Ils ont rejeté le pays de la promesse. Ils ont mis nommons un chef. Et retournons en Égypte. Ils ont méprisé le pays de la grâce. Parce que Cana, c'est tout un homme. C'est Jésus-Christ. C'est repos. Et sabbat. Sabbat. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce que avant que ça devienne un pays, c'était d'abord un homme. De la famille de Noé. Il était l'un des fils de Noé. Il a vécu. Il a vécu dans la chair comme ça. Il a établi ses demeures quelque part. Et après ce territoire, la fille t'appelait de son nom. Amen. Amen. C'est pourquoi nous comprenons que le pays là, c'est tout un nom. C'est comme le pays. Lorsque Israël a possédé, Israël a su, on a appelé cela Israël. Mais en réalité, Israël, c'était un homme, Jacob. Israël, c'était un homme. Donc, quand on les présente le pays, on dit allez combattre pour posséder le pays. Cela veut dire que c'est l'apparition de Jésus-Christ sur la terre. C'est pourquoi Jésus leur a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir une la vie éternelle. C'est ces Écritures qui rend témoignage de moi. Et aussi leur dit que le véritable Cana, c'est moi. Le véritable repos, c'est moi. C'est pourquoi il leur avait dit, venez à moi. Et tout ce qui est de chargé et fatigué, et moi je vous donnerai du repos. En d'autres termes, venez à moi. Pour tout ce qui avait trop marché depuis le pays d'Égypte. Et moi, Cana, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté le pays d'Abraham. Là, c'est le temps de Jésus-Christ lui-même sur la terre. Mais ils ont rejeté. Alors Dieu s'est irrité. Il a dit, je vais vous exterminer. Si je suis dans la prophétie. Amen. 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 Quand je parle de la prophétie, tu comprends que ce n'est pas comme les dons spirituels. Tu dois connaître ces choses. Ce sont des choses qui t'appartiennent. Quand le prédicateur dit, je parle ici par la prophétie. Par la prophétie. Il veut dire quoi? Il prend les événements des Écritures. Il les place dans son temps d'accomplissement. Par rapport aux circonstances qui sont là. C'est ça qu'on appelle parler par prophétie. Amen. Amen. C'est pourquoi les prophètes de l'ancienne alliance, ils prophétisaient. Ils voulaient sonder les temps et les circonstances marquées par l'esprit. Amen. 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 Amen.
le Saint-Esprit a dit quelque chose. Mais là, ils cherchaient quand est-ce que ça va s'accomplir. Quand est-ce que les choses que l'Esprit m'a dit vont s'accomplir. Amen. C'est ça, parler par la prophétie. Mais là, ça, l'histoire ici, je prends ça par la prophétie. Donc, quand on représente les pays, c'est la venue de Jésus-Christ. Ces gens-là devraient avoir la foi de croire en Jésus-Christ. C'est la venue croire. Ils devraient avoir la foi d'aller combattre et posséder le pays. Ils ne devraient pas voir les fils d'Anak comme obstacles. Obstacle, mais ils ont vu, ils ont rejeté les pays. Alors Dieu a juré. Il dit qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Tous les hommes de guerre là. Tous ceux sur qui on a fait les dénombrements. Ils n'entreront pas dans les repos. Un cadavre tombera dans le désert. C'est leur femme. Et leurs enfants, que eux trouvent faibles, à oui, ces enfants-là, moi je donnerai les pays. Maman, ça veut dire quoi? Quand Israël a rejeté les pays, qui est comme les repos, Israël aussi aujourd'hui est rejeté par Dieu. Israël et moi, quand il parle de sa femme. Les hommes de guerre qui pleuraient dans le désert. C'est pourquoi aujourd'hui Israël est hors de la grâce. Le Seigneur les a rejetés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les pays. Il l'a donné aux petits enfants. Aux gens qui étaient faibles. Aux gens qui ne raisonnaient pas trop. Aux gens lorsqu'ils se regardent comme ça. Ils se voient incapables de combattre. C'est-à-dire si tu ne vas pas posséder les pays. Tu comprendras seulement que c'est la force de Dieu qui leur a fait posséder ces pays. Même comme ça, les enfants, ils sont faibles. Et ces enfants-là, c'est nous aujourd'hui les plus faibles. Les habits sont que je porte dans nos pétillants affaires. C'est pourquoi Jésus avait dit. Il dit, Arabi, je te loue. La commission t'a. Oh, père. Oh, tata. Est-ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents? Les sages et les intelligents. Ce sont les hommes de guerre là qui sont. Mais il a dit, Asalubi, tu les as révélés aux enfants. Dans un autre endroit, il a changé de langage. Il a dit, laissez les enfants venir. Parce que le royaume des cieux est semblable et pour ceux qui les ressemblent. Le royaume des cieux, c'est pour les enfants. Si tu n'es pas enfant, tu n'entreras pas dans le royaume. Si tu n'as pas la foi, que tu ne crois pas à la grâce de Dieu, tu n'entreras pas dans le royaume. Parce que Canaan n'était pas donné au père. Les pères étaient tombés dans le désert. Mais Canaan est payé. Et des réponses étaient données aux enfants. Aux enfants, les gens qui ont la foi, les gens qui disent par la grâce de Dieu, je parviendrai, les gens qui ne regardent pas leur propre capacité, parce que Dieu, il méprise celui qui se surestime, il a la version pour celui qui s'élève, qui se croit capable de quelque chose. Même toi tu es là. Même dans ta famille. Même dans tout ce que tu fais. Même dans l'œuvre de Dieu. Même si tu crois que toi tu es quelque chose. Dieu va te résister. Il ne mettra pas la main sur toi. Il ne
voulait pas que quelqu'un puisse se surestimer. Il aime toujours que quelqu'un dise par la grâce de Dieu. Je ferai ceci par la grâce de Dieu. Je ferai ça si Dieu le permet. Je vais quelque part si Dieu le permet. Même si c'est à 10 km, les mouvements, c'est Dieu. C'est de lui que nous avons le mouvement. Et pas il a été aussi pour le mouvement. Tu manques vraiment comment prendre de l'eau. Tu manques comment t'élever. Tu manques même pour te satisfaire dans quelque chose. Oui, nous, la voilà, des enfants, nous devons toujours vivre par la grâce de Dieu. Même de la vie éternelle, nous l'avons reçu par la grâce aussi de Dieu. Nous sommes comme des enfants. Que Dieu a jugé de nous donner les royaumes. Là, c'est par rapport à la foi. Parce qu'un enfant, dans sa nature, il croit à tout ce qu'on lui dit. Quand son papa lui dit, je suis très fort. Ce qui papa même si son papa n'est pas fort, il croit que son papa, que son papa va taper tout le monde. Même si son papa n'a pas d'argent, il lui promet quelque chose. Papa, ça en manque d'amitié. Il croit que son papa va le lui donner. Papa n'a pas. C'est ça la nature des enfants. Les enfants sont des gens humbles. Comme des serviteurs. Ils vont pas lui envoyer à tout moment. Il va. La nature des enfants. Et c'est ce que Dieu veut. Chez nous. Le royaume de Dieu. C'est pourquoi il a écrit toutes ces choses. C'est pourquoi il a écrit toutes ces choses. Là, c'est par rapport à la prophétie. Quand Jésus est venu, on les a présentés le royaume. Il a dit de combattre. Pour posséder le pays, parce qu'ils étaient sous la couverture de la grâce de Dieu, ils ont découragé. Parce que combattre, c'est aussi avoir la foi. Vous savez ce que Jésus disait? Il avait dit ceci. Le royaume des cieux, depuis le temps de Jusqu'à aujourd'hui, cela est forcé. Ah, cela est forcé. Donc c'est les violents qui s'en ont fait. Vous connaissez-tu que Véné dit cela là? Ce n'est pas les violents des coups physiques. Mais tu n'as pas fait des efforts pour entrer dans les rois, les gens se battaient. Non! Effort, vous c'est lui vraiment qui croyait. C'est lui qui croyait vraiment que Jean était venu de Dieu. Il était préparé les chemins pour Jésus. Il croit en Jean. Il est violent. Il est fort. Il a procédé la grâce de Dieu. C'est lui qui croit vraiment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En ce temps-là, cela veut dire que celui-là était fort. C'est ceux qui ne croyaient pas là. Ils étaient faibles. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la foi. Ça, on est faible. On est fort par la foi. Donc ils devaient combattre pour posséder les pays. C'est-à-dire qu'ils devaient mettre la foi. Mais quand ils ont refusé de combattre, alors ils ont rejeté les pays. Dieu s'est irrité. Les vos cadavres tomberont dans les eaux. C'est pourquoi aujourd'hui, Israël est jeté hors de la race. Et c'est nous, les petits enfants, qui possédons la grâce. C'est pourquoi il est dit, pour nous qui croyons, nous entrons dans les réponses. C'est facile à comprendre. C'est là venu, les enfants qui étaient entrés là-bas, c'est toi, c'est moi, qui avons la foi. Qui avons la foi. Mais j'avais dit ceci, il y a la foi. Et il y a les repos. Et il y a aussi les repos.
C'est ce que je prêche toujours. Quand tu crois, tu entres dans les dépôts. Mais attention. Cela ne veut pas dire que quand tu entres dans les dépôts, c'est fini pour toi. Non. Il y a encore un autre repos qui t'attend. En réalité, ce n'est pas vraiment des repos. Mais c'est la matérialisation du repos que tu avais reçu. Amen. La matérialisation du repos. Aujourd'hui, nous sommes entrés par la foi. Mais quand nous entrerons, ce ne sera plus par la foi. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si nous avons les yeux fermés. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Mais ce jour-là, à la fin de la marche, ce ne sera plus par la foi. Nous serons vraiment nous serons vraiment dans les repos. Vous savez, hein? Quand les Juifs marchaient dans les déserts, ils pouvaient se dire, est-ce que ce pays existe? Est-ce qu'il y a solo pour aller? 40 ans, tu nous fais seulement aller comme ça. 40 ans. Pendant 40 ans. Mais ce jour-là, ils ont traversé la déserte. Ils sont entrés dans les pays. Parce que la promesse d'entrer dans les repos subsistait encore. Mais aujourd'hui, on nous dit que les repos subsistent. Par la foi, oui, tu as cru. Mais il y a encore un repos qui t'attend. C'est pourquoi on a prêché la grâce ici. Pour nous qui croyons, nous entrons dans les repos. Mais on est venu. Non, on est venu là. Baïkouna. On a dit au verset 11. Verset 11. Efforcez-vous d'arriver dans le repos. C'est comme si le langage devient contradictoire. Le bon Amen. Ça devient contradictoire. Là-bas, nous a dit pour vous qui croyez. Nous entrons tous dans les repos. Et là-bas, on a dit, efforcez-vous d'entrer dans les repos. L'effort à faire d'entrer dans les repos, c'est après déjà être entré dans les repos. Maintenant, pour la matérialisation de l'autre repos, qu'est-ce qu'on fait? C'est forcé. C'est la force. C'est toujours dans la grâce de Dieu. Ça ne viendra pas de toi. Dieu va te communiquer la force. C'est pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. C'est pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'avais dit la fois passée, les repos pour toi ne sont pas seulement être des écritures, ouvre la bouche seulement toi, mais le repos c'est une vie. C'est une vie, l'effort là que tu fais, c'est la vie que tu vis. Les repos disait, c'est ce qui nous donne le vouloir et le faire. C'est Dieu qui nous a ensemble. C'est pourquoi efforcez-vous d'entrer dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Toi, efforce-toi d'entrer dans les repos. Parce que là, marche. Et les chrétiens se doivent de s'efforcer d'entrer dans les repos. Quand tu vois quelque chose te déranger, quand tu vois un péché te déranger, ne commence pas. Comment? Efforce-toi d'entrer dans les repos. Ne te décourage pas. Tu sens vraiment qu'il y a un péché qui te dérange. Et parfois ça devient
l'église. Et aussi ce qu'on dit, ça va l'église. C'est ça l'objectif que Satan veut. Il y a bon Dieu, maman, elle est comme ça. L'objectif que Satan veut atteindre. Pour ça, oh, Satan. Et l'autre, Satan, dans son lande là. Et l'autre, il y a son lande là. C'est ça. Et ça, il y a que tu fuis l'ensemble. Et l'autre, le et force-toi d'entrer dans les repos. Ça va la place, on compte dans le repos. Jésus avait dit, yes, si ton œil so, est pour toi une occasion de chute, crève-le et jette-le au loin. Ce serait mieux pour toi d'entrer au ciel avec un œil quand tu jettes tout ton corps là dans le feu. Et si tu prends trois et pour toi une occasion. Les amis, par contre, pour la reprise, ça va la voir. Arrache-le. La vie qu'à ta loin. Chapitre 11. Hein? Quand les gens, quand
les prédicateurs qui écrivaient ces livres, ils ne les subdivisaient pas en chapitres. C'est là où les gens aussi se perdent quand ils lisent la Bible. Ils ne mettaient pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 1, chapitre 2. Non, c'est une pensée qui partait. Celui qui les a subdivisés en chapitres, c'est lui seul. C'est le travail des théologiens. C'est pourquoi les gens qui lisent la Bible se perdent souvent. Il y a des chapitres qui continuent la pensée ou les pensées du chapitre précédent. Maintenant, ici, on continue la pensée des gens qui avaient la foi. Pour montrer que nous aussi, nous devons avoir la foi. On dit, continue. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et tout fardeau. Tout le monde n'a mis qu'un sur ma soupe. Et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Ma soupe, c'est là ta vie sur la bopette. Tu connais les péchés qui t'enveloppent facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière. Mais donc, qui m'en a connu ta pico? Qui nous est ouverte. Et ayant les regards sur Jésus. Écoutez ici. On soit mis sur la vie, on voit que pas Jésus Christ. Le chef est le consommateur de la foi. Et on salit mon conti à condima. Peu y'a même y'a mon abokoki. Qui a envie de la joie qui lui était réservée. Yé oyo, n'a commune à quel se voyant, que moi y'a zambé à l'aigle la qui pône yé. A souffert à la croix. Méprisé, méprisé l'ignominie. A chola qui liwa ya son. Donc la mort ya opprobre. Il y a des morts et des morts. Il y a des gens qui meurent honorablement. Mais Jésus est mort d'une mort ignoble. On a dépouillé de tous les vêtements. Et on a pendu là-bas la croix. On a crucifié. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il a méprisé l'ignominie. Il a regardé seulement la gloire qu'il attendait. Il a regardé seulement la gloire qu'il attendait. On a dit, tu vas mourir de cette mort. Il a dit, quelle mort? La mort de la croix. Il a propre mourir nu. Il a méprisé ça. Parce que la gloire qu'il attendait était plus que cette mort. Mais on dit, ne jette pas les regards sur ton pasteur. Ne jette pas les regards sur le frère qui est venu avant dans l'église. Ne jette ton regard sur Jésus-Christ. Continue mon frère. Et c'est assis à la droite de Dieu. Après avoir méprisé cette mort-là, est assis à la droite du trône de Dieu. Après avoir méprisé cette mort, Nassima Kotchola Yamo. Il est allé s'asseoir là-bas dans la gloire. Et afin d'y voir l'angle. Maintenant on dit. C'est quoi le balobi? Ah, donc c'est toi. Considéré en effet. Ah, puis nous pouvons un bon monnaie n'est pas besoin. Celui qui a si porté contre sa personne. De la part des péchés. Il y a pas ton amassou, saint des saints. Il est mon saint, tu vas saint tout. On s'est opposé à lui. Il les a supportés. On a parlé à mal de lui. Il les a supportés. Mais le problème, ce n'était pas ce genre-là. Le problème, son problème à lui, Jésus. Ce n'était pas d'abord ce genre-là. Son problème, c'était la gloire qui lui était réservée. Les gens peuvent te dire que tu es trop dur. Tu aimes trop les règles. Toi, tu es là très fermé. Au saint, nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Ils parlent même à mal de toi. Mais de là, c'est pas bien aimé. Regarde Jésus-Christ. Lui qui a supporté l'opposition. Lui qui a méprisé l'ignominie. On dit ceci. C'est pourquoi il a supporté l'opposition de la part des péchés. Pourquoi? Afin que vous ne lassiez point l'âme de Christ. Ah,
Amen. Ce qui est écrit, afin que vous ne vous lassiez pas. L'âme découragée. Continuons verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En l'état contre les personnes. Amen. C'est ce que j'avais dit. L'effort à faire d'entrer dans le royaume. C'est par la foi. C'est par la foi qu'on fournit ces efforts. On regarde pas les gens. On regarde pas ceux qui sont venus avant. Parfois ils peuvent nous dérouter. Parfois ils peuvent être notre occasion de chute. Tant que nous avons vu ces gens-là. Ils ont aussi l'occasion de chute. Ils n'ont pas accepté cela. Ils n'ont pas été un vrai modèle pour nous. C'est pourquoi on dit, ils n'ont pas de mauvais désirs comme eux, ils ont dit. On lui dit, regardez Jésus-Christ. Regardez Jésus-Christ. Dans sa tête là. Il n'avait pas les souffrances avec lui. Il avait seulement la gloire qui lui était réservée. C'est pourquoi il a méprisé l'ignominie. Je vais te dire, frère. Il n'a pas encore fini d'avoir l'ignominie sur sa tête. Tant que tu te forceras d'entrer dans le royaume, tu vivras les persécutions des hommes. On dit ceux qui veulent vivre Jésus-Christ. Ils seront persécutés. Même dans la famille. Et ça s'arrête dans la famille. Ça va te surprendre même parmi les faux frères de l'église. Même parmi les frères que toi tu estimes là. Ils peuvent être une prime d'achoppement aussi. Mais seulement, on t'exhorte. Regarde Jésus-Christ. Regarde pas les hommes. Regarde Jésus-Christ. Jésus n'est jamais de la foi. On ne regarde pas un homme. On regarde Jésus-Christ. C'est lui le consommateur de notre foi. C'est lui qui amène notre foi à la perfection. Il commence notre foi et nous amène à la perfection. Voilà pourquoi on a chanté ici au début. On dit la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix. Et viens suis-moi. Et je lui ai répondu son verbe. Jésus a dit jusqu'au bout je vais te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Je suis là, je te suivrai. Comme un disciple qui était venu dire à Jésus. Il est maître. Montez. Je te suivrai partout. Nous aussi. Nous le suivons partout. Nous allons pas une autre mission. Les enfants d'Israël. Ils marchaient par l'ombre de la nuée. Quand la nuée s'élevait, et aussi marchait. Quand la nuée s'arrête, la nuit, le peuple aussi s'arrêtait. Quand la nuée s'arrête même toute la nuit, ceux qui étaient mis toute la nuit. Il plante des tentes. La nuée s'élève le matin. Ceux qui avaient tombé, ne se disent pas. Il lève encore des tentes. La nuée. Si la nuée s'arrête, un jour. La Bible dit ne faisait pas ça. Israël dans ce mouvement-là. Israël dans ce mouvement-là. Israël dans ce mouvement-là. Il était le type du croyant. Le type du croyant qui a le Saint-Esprit. Il suit le Seigneur partout. Il est comme un agneau qui ne réclame
le passé. Esforcez-vous d'entrer dans le passé. Parce que c'est la porte étroite. Que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Nous allons nous lever pour nous prier. Tu vas remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la parole. Remercie le Seigneur pour la parole. Merci pour l'invité. Prie au nom de Jésus-Christ. À l'instant, la voix du Seigneur m'appelle. Oui, Bazo, tu te l'absolues.